bizarre. Les bons moments et les mauvais moments passés avec différents fans. Tout ça est joli. Tout ça est joli à voir. Et on ne pourra jamais oublier les mauvais moments et les bons moments passés avec lui. Les bons moments, c'est-à-dire le gars, si, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup son travail en fait. Et puis c'est le gars qui encourageait plus les gens à part. Même nous qui étions ses danseurs, il nous encourageait. Souvent qu'il en coulait contre nous comme ça pour se faire pardonner quand il a une prestation comme ça avec lui. Il est toujours dans son coin. C'est-à-dire lui-même, il nous appelle, on vient. Mais il ne cause pas avec nous en fait. Gens qu'on arrive à faire pendant, il ne nous connaît pas. Oh, il nous connaît. On se dit quoi, c'est parce que le gars en coulait contre nous qui n'a pas de cousin. Donc nous, on ne veut pas côté de l'or, c'est dans mon coin. On ne pas, parce que même devant les GP, c'est fâché plus. Ah, on est connaissant, nos gars, tu vois. Dans les légers, dans son côté, nous sommes tous comme il était fâché contre nous aussi, à nous sommes le mal aussi, parce que, moi j'ai dit quoi, c'est les danseurs d'Arafat aussi, je crois les belles repères. Vu qu'il a dit, mais il est malais sur nous, nos sophies, nos petits mal aussi, il a dit. Donc, souvent quand on sent qu'on est fâché contre nous, on se fait pardonner. C'est une sorte de petite prestation qui, si on n'a pas déjà fait, parce que on a tout gâté encore là, même c'est ça même, on s'est gâté, mais là sur le champ, il était chassé en même temps. Donc on s'arrange, ne pas que ça soit bizarre. Donc un jour on est à l'honneur, un jour à un VIP, il est en colère contre nous. Le manager nous a appelé que ah, on doit jouer au VIP. Que mais bon, gars, vous savez que mon gars, fâché contre nous. Il y a tel a dit qu'il doit être là-bas, mais Didier aussi est là-bas, donc il est joué. Donc lui qui a pas déjà fou, il a quand même en tête qu'il a son discours va s'augmenter encore. On est parti, on est arrivé, sur les lieux. On était dans notre coin, nous avons installé dans notre état, c'est un carré, un montage, sans amour, tout ça. Non, non, c'est dans notre coin, nous avons nous, nous avons des camarades. Nous, on s'attendait déjà. On s'est dit, ah, il y a des refus. Ouais, c'est super, ouais, c'est les autres, ouais, c'est. Ouais, c'est un mort là, on est fâché contre nous. Nous le connaissons, on a l'honneur. Ça, on n'a pas déjà fou là. Ça a augmenté les discours. Et puis, on a des amis, on s'est mis ensemble, on a posé, On tremblait, mais ce jour-là, on s'est dit, quoi, c'est pas notre premier spectacle, ni le dernier. Que nous sommes sur la piste. On était sur la piste. On est le sourire, vous savez, on le regarde, on lui fait les gestes, mais nous, il n'y a même pas, mais il est en colère. Comme nous, le son, on a cassé la boîte. Et quand on a cassé la boîte, il a été tout le lui, mais il était assis là, il a dit, je comprends celui qui n'a pas voulu contre nous. Quand on presque un tchafou pour lui, mais on s'en a pour lui, on courage. Mais ce jour-là, nous n'avons pas encouragé, parce qu'il était fâché contre nous. Et quand il est fâché contre nous, on s'est mis sur le tchafou, il ne va pas parler. Ça, après qu'on quitte là maintenant, qu'il commence à causer. Ils nous ont mis, on a pressé, on a cassé la boîte, tout le monde était fort. Tous ses amis qui étaient à côté, toujours commencé à crier à côté. Arrivé un moment, il a commencé à rire, il a appelé l'autre. On nous a appelé maintenant, on n'est pas venu s'asseoir devant Covid. Non, on n'a pas venu s'asseoir maintenant à cause de lui. Oh, pourtant, c'est le gars, il ne peut pas, même s'il est fâché contre toi, mais soit si il est fâché contre toi, ou bien soit si il est en erreur. Il ne se voit pas en train de demander pardon, en fait. Et puis, il ne demande jamais pardon. Quand il demande pardon, il y a une manière de demander pardon. Soit si il sait qu'il a déconné sur toi, que toi tu es en colère, il ne t'appelle pas pour demander pardon. Il ne va jamais t'appeler sur le coup. Il dit, tu as fait tant. Il se calme en même temps contre toi. Ça après maintenant qu'il sait que ah, tu as raison. Il ne va pas t'appeler pour dire, ah, Christo, tu as fait un truc qui était fâché, mais tu as raison, tu ne fais pas ça. Le meilleur moyen de se racheter, il t'appelle, ah, tu vous savez tout ça. Maintenant, à la maison, quand il va à la maison, on commence à causer, on chille un peu, c'est l'air, voilà, on finit à 8 mètres. Donc, c'est ça, on a recopié son cœur, on a tué le discours, et puis, on a continué sur le son. Ivoire TV, musique.